Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la playroom, ce nouvel épisode de Fallout 4 en compagnie de Canigou. T'es pas Canigou toi? Canigou? T'es où? Ah, t'es là. Avec toutes les devant le commissariat à donc. Disposition. La confrérie pourrait faire on va donc retourner voir le paladin, on rejetera, on n'est pas en terrain trop ennemi. Il est possible qu'on les trahisse avant la fin du jeu, hein, je le dis. Hein. En tout cas, le code moral, je pense pas qu'on va le suivre. En tout cas, pas des masses. Salut Hélène. Pour voilà, parfait. J'espère que ça veut dire que vous avez trouvé l'artefact recherché. Oui. Tenez, le voici. Bien, j'espérais que vous le rapporteriez en bon état. Tenez. C'est amplement mérité. Je cherche toujours du matériel technologique. Prévenez-moi quand vous voudrez une autre mission. Eh ben écoute, fais péter. Affirmatif. Voilà ce que j'aime entendre. J'ai indiqué le lieu sur votre carte. Ouvrez l'œil. Ouh. Et du coup, c'est la dernière mission en fait. Attendez, je vais juste vérifier avant d'aller voir l'autre. Le trou du cul. Ah non, à chaque fois, c'est une mission au rapport. D'accord. Excusez-moi. Donc alors, je reprends pas sa mission. C'est fini lui. Ou quoi? Pour l'instant. Affirmatif. Ah oui. Voilà ce que j'aime entendre. Voilà ce qu'on vous doit. On reçoit sans cesse des rapports de reconnaissance. Quand ça vous dira de repartir en mission, revenez me voir. Pas tout de suite. Je recule. On va aller chercher donc le deuxième objet, hein, comme on a pu le faire. Oh bah, la purge du Commonwealth. On a fait deux quêtes de suite, du coup on a gagné un level. GG les gens. Au niveau des levels. Est-ce que je dois rajouter? Ou alors est-ce que je fais mon fameux point en armurier pour commencer déjà à faire des nouvelles armures? Ce serait peut-être pas mal. Ou alors des dégâts supplémentaires. Je peux pas le faire. Je peux pas ici. Il faut que je sois niveau 46. Au niveau du pistol, je peux le faire cependant. Farfouilleur et munitions, c'est intéressant aussi. Ça c'est cool aussi pour Canigou. On va mettre un point en armurier, on va commencer à mettre des points en armurier. Si on a du boulot, hein. Et je pense que je vais faire une petite pause, je reviens tout de suite, chers amis, vous allez comprendre pourquoi. Hop. Et hop. Heureux, chers amis, alors. J'aimerais vérifier quelque chose dans le bâtiment. Alors moi j'ai vérifié plusieurs choses. J'ai vérifié par exemple le level cap, donc le level max du jeu. Il n'y en a pas normalement. Normalement il n'y en a pas. J'ai vu 50 une fois, mais normalement il n'y en a pas. Je voulais vérifier si dans ce bâtiment j'étais à même de construire quelque chose. Non. Donc il faudra que je me rende à Sanctuary. Il faudra que je me rende à Sanctuary et que je m'y rende rapidement. Mais d'abord. On va d'abord aller voir sur la carte. Au rapport. C'est censé se passer où? Eh ben ça tombe bien. C'est censé être à la gare. Eh ben on va aller à la gare. On est plus proche de Sanctuary. Après on ira à Sanctuary. On reviendra ensuite au... Au commissariat, voilà. J'avais plus le mot. Bon. Donc voilà, on va faire quelques petites choses, allez voir, donc surtout ce que j'ai envie de vous montrer c'est un mode, mais je ne savais pas du tout comment l'activer, c'est-à-dire que je ne l'avais pas repéré tout à l'heure. Enfin, je sais comment l'activer, parce qu'il est activé, bien sûr, mais la question en elle-même est plutôt je ne sais pas comment... La portée de ce flingue. Le manque de précision de ce flingue parfois. C'est quoi ça? Pam 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 pam. Pouf! Ah bah il s'est passé un truc, on sait pas quoi. Là, ça va chier. Tu te bats avec l'escalier?
pose la question, hein. Franchement j'ai un doute. Je pense qu'effectivement elle se bat avec l'escalier. Ah, vas-y Nick là, fais pas mine. C'est bête, vous commencez à devenir copain. Merde. Ce serait dommage de gâcher ça, pas vrai? Oh bonjour, le Hollandais. Ah oui exact. C'est pour me dire qu'il y avait un truc là-dedans. Des armes. Normalement, ici, voilà, il y avait une arme. Pauvre bougre. T'évites d'ouvrir des portes à tout le monde, Canigou, s'il te plaît, ce serait sympa. Merci. Alors, normalement, là-bas, il y a une chier aussi de ghouls. Je croyais que t'étais mort, excuse-moi. Excuse-moi, je t'ai pris pour un cadavre. J'en ai plus. Mais il te manque la moitié de ta tête. Yo les filles. De une et de deux. La forme. Ah, il y en a d'autres. Tu lâches Canigou, s'il te plaît, merci. Ça m'étonne de ne pas l'avoir vu celui-là, mais enfin bon, pourquoi pas. Paquet de cigarettes, je prends. Des capsules, je prends. Condensateur réflexe, j'ai le deuxième. Parfait. J'ai aussi une chier d'équipement qui va avec. Oh, vous êtes tombés l'une à côté de l'autre, c'est magnifique. Direction Sanctuary. Deux, trois petites choses à y faire. Ça monte bien les niveaux malgré tout, hein. C'est pas extrêmement long. Surtout s'il y a des quêtes comme ça à 250. Hein. Franchement, sans problème. Alors, le nom du présent épisode ce sera... Voilà. Yo les filles! La forme! Alors. Où est-ce que je vais pouvoir le mettre ce truc là? Ah, bah ici, c'est parfait ici! Au moins il ne pleut pas. Alors, structure, nom, mobilier, décoration, défense, magasin, fabrication. J'aimerais bien que tu m'affiches, voilà les trucs. Armor crafting workbench, j'en ai déjà un. Armor workbench, backpack, voilà. Ah, il est plus long que prévu. Non. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Où est-ce que je vais le mettre? Attendez. Voilà. Tout ça pour deux canettes. C'est vrai que c'était trop cher. J'ai pas regardé du tout les composants. Backpack workbench. Et voilà, donc on peut se faire des poches et des sacs à dos. Ce qui pourrait être assez sympa. Vous savez quoi ? Depuis notre conversation, je me sens en pleine forme. Nous deux, à Sanctuary. Faut voir le pareil pour dire, l'avenir. Bon, ça fait de la résistance aux dégâts, je dois l'admettre. J'avoue que j'aurais préféré que ça n'en fasse pas. Bon, il n'empêche que. Je ferai de la poche supplémentaire. J'espère juste une chose. Est-ce qu'elles sont affichées? Apparemment non. Ah si, elles sont affichées peut-être autour. Regardez autour de moi, j'ai des poches. Cool.
Cool, cool, cool. Et donc du coup, je monte à combien en emplacement? Rien du tout. Ah, il faut que je les... En plus, faut que je les améliore. D'accord, je pense que c'est ça qu'il faut que je fasse. Kenigou, pourrais-tu te pousser, s'il te plaît? Merci. Kenigou, pousse-toi. Merci. Hop. Donc, si je vais sur fabriquer... Nos cantines. D'accord, et suivant ce que je rajoute... Ah, sympa. Elle est plus résistante. On va pouvoir encaisser quelques bastos de plus avec ça. Oh, carré capacité plus 30. C'est craqué quand même, hein. Si vous trouvez que c'est trop 30, chers amis, vous le dites, hein. Moi je mets le maximum parce que je peux me le permettre. Au niveau des, comment, des ressources. Si vous trouvez que c'est trop, vous le dites et vous me donnez une valeur intéressante. C'est vrai que 30 ça fait beaucoup. Je vais déjà les réduire à 15 de base. La moitié de la capacité maximale. 30 c'est clairement beaucoup trop. Déjà 15 c'est craqué. Et on verra si c'est ou non vraiment efficace. Alors, et du coup maintenant elles sont noires avec une armure en cuir. Pourquoi pas? Bon, c'est joli, hein. Sur un principe de base, c'est joli. J'aurais peut-être dû les mettre plutôt en vert vu que tout le reste de mon armure est vert. Je change complètement de... d'avis. Hop. Alors, j'espère que c'est le bon vert. Ouais, c'est le bon vert. Ouais, clairement. Alors, c'est pas exactement le bon vert, mais c'est ça, je trouve que ça fait très armée en fait. Quoique non, même pas. Même l'armée, c'est pas du vert comme ça. C'est plus kaki. Vous savez quoi? Depuis notre session, je me sens en pleine forme. Nous deux, c'est pas grave, un sanctuaire. Pareil pour l'avenir. Mais j'ai pas de sac à dos, donc j'ai que des poches. Parce que je ne peux pas crafter le sac à dos encore, parce que je n'ai pas le rang d'armurier nécessaire. Pourquoi pas? On a oublié aussi la dernière fois avant de partir d'aller faire de la bouffe. Je l'avais pas déplacé d'ailleurs. Non? Est-ce que je peux faire de la bouffe? Chemistry Station, Cloning Crafting, Cooking Station. Ah. Ah. Allez, verrouillé. Merde. Ils sont verrouillés, fais chier. Je vais devoir aller voir l'autre. Ça fait que j'ai passé ma capacité de port à 420. Alors moi, si je l'ai, si ça m'intéressait, c'est principalement simplement parce que je, si je fais des épisodes longs, je préférerais ne pas passer toute une session de. Essayez de pas. À Sanctuary. Un doigt. Hop, de l'XP à foison. Oh, l'XP que ça fait, quoi. Regardez ça, j'ai monté un quart de level. Rien qu'en faisant le rôti. Plus mon bol de nouilles. Alors, peut-être pas un quart, un cinquième de level. Rien qu'en faisant la bouffe. Enfin bon. Alors, on va retourner au commissariat. Je veux pas que le commissariat en fait me rush les levels. Si vous voyez ce que je veux dire, parce que 250 par 250 ça va monter vite, hein, malgré tout. Mais bien sûr, on fera peut-être une session où il y aura, par exemple, si on a 3-4 factions, où on aura donc des missions à faire comme ça, et on en fera peut-être une session de 2-3 épisodes où on fera que ça en fait. Ce qui fera un gros coup de
de peps au niveau de l'XP. Ce qui sera toujours le bienvenu. Alors. On prend des places dans la plupart des colonies offrant. Oui, bon, bien sûr. Alors. Moi, je l'aime bien, Hélène. Elle est sympa. C'est pas comme Rhys, hein. Les textures, s'il vous plaît. Faites apparaître les textures du jeu. Ça va être tout noir. Ta gueule. C'est bon ? C'est bon. Les textures. Attends, attends, elle y est là, la texture. Elle est si éclairée. Bonjour. Alors, cet artefact, c'est bon ? Tiens, le voilà. Je te parlais il y a 2 secondes, tu permets de... Tu me tournes pas le dos ? Tenez, le voici. Et je vois qu'il est toujours en bon état. Voici un petit quelque chose pour vous dédommager. Je te remercie. La technologie est toujours très demandée. Si vous vous sentez capable de repartir en mission, faites-le moi savoir. XP, pas XP ? XP. Ah ouais, oh la labyrinthe ici. C'est violent quand même. Pour éviter que les gens se tirent, j'imagine. Alors, maintenant qu'on a fait ça. Qu'est-ce qu'il nous reste comme... Déjà, ça a réduit, hein. C'est où ? D'accord, bon, on va y aller, on va la construire et on va, ils vont aller se faire... Ah bah non, c'est vrai, on n'a pas ce qu'il faut. Non, non, on n'a pas ce qu'il faut, j'ai pas pris le matériel. Non, donc c'est mort. Va te faire enculer. Cette quête va me faire chier longtemps, je le sens. Alors, secret de brasserie, c'est mort aussi, je le garde. Installer les roulements de turbopompe, non. L'ombre de la confrérie, le train de tes injures. Parler à Preston. La patrouille perdue. C'était là-bas, ça. Oh, terrain d'entraînement. Ah, eh ben, on va aller faire ça. Et dans le prochain épisode que je vais tourner, ce qui va être le 3e de ma journée de Fallout, j'irai faire de la quête principale. Mais, encore faut-il se rappeler laquelle de ces quêtes est la quête principale. Ça va être violent. Oh putain, ça va être violent. Alors. Oh. Non. Y a-t-il un banc dans le coin ? Ah oui, je m'en rappelle. C'est la fille qui est dedans. La fille que j'ai choisi de ne pas tuer. Qui est complètement folle. Enfin, à première vue. Ouais, donc non, 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 je pensais que c'était autre chose. Je pensais que c'était en rapport avec le holoband du champ de bataille. Peut-être la même, hein, je sais pas. Ça doit être ça la quête principale. Bon, écoutez, on va aller voir. J'aurais peut-être dû prendre une armure assistée au passage. Là, j'ai plus trop de balles. C'est drôle d'objet. Super mutant. Il y a un Vertibird qui arrive. Vous le voyez ? Ah, c'est pas ce que j'avais prévu. Remarque, si je sais qu'il est là, je vais gagner du temps. Je dirais qu'on n'est pas seul. Ah, la vache, je l'ai pas vu. Elle qui c'est ? Ah, j'ai morflé. Bon, c'est tout. Non. Ah, oh, putain. Je l'ai pas entendu.
Honnêtement, je n'ai pas entendu arriver. Oh! Je déteste ces kamikazes. Franchement, je pense que je vais les supprimer. Falloir une... Oh putain. Ils m'ont vu, il va y voir les chiens. Je crois qu'on n'est pas seul. What the fuck? C'est quoi ça? Mais casse-toi! Putain! Plus de dommages de nuit que plus de dégâts de nuit que dans la journée. D'accord, pourquoi pas si tu veux. Oh merde, le Vertibird. Ils l'ont éclaté. Littéralement éclaté. Chose dans les parages. À l'avenir, évitez de nous sous... C'est quoi ça? Le ménage est fait. Ok. C'est un gros camp, hein, quand même. Pas ce que vous en pensez. Putain. Faire croire que je peux pas remonter. Bah, Nick, tu pourrais m'aider? Comment ça, je vais me faire reculer? On parle du lot. Je te vois pas. Je te vois. Comme ça que tu veux mourir? Oh! Tiens, bouffe, ça prendra. Il y a encore un vertiptère ou. Je suis coincé! Il y a encore un vertiptère, bon, c'est pas. Bonjour. Salut les mecs! Voulez-vous la mettre? Ça peut se faire, y a pas de problème. Alors. Comme autant de chains, d'accord, c'est le top. Ah, c'est le. Quand je dis le top, c'est le t-shirt en gros, le haut. Merde, il s'est fait péter la gueule aussi lui. Mais je crois que c'est. C'est par des pillards, effectivement. C'est con, on n'aura pas vu la fameuse mouche. Je peux pas aller la voir du coup. Ah, fait chier. Qu'est-ce que c'est qui illumine comme ça là-bas? Un spot. Ça me semble logique dit comme ça en plus. Allez, ramène-toi le chien. What the fuck? Ça sert à rien de se cacher. Ça sera bientôt fini. Mais t'as un mini nuke ou quoi? Waouh. Non, c'est Kanigou.
Alors, je suis censé trouver quoi là-dedans? Suivez le signal de radio de détresse. Bien légendaire. Oh bah oui, mais alors si vous me voyez à 8000, oui, c'est vrai que j'ai le loupiote. Alors, est-ce que j'ai des grenades? Un petit peu. Et de 1. Là, il y a le légendaire. Excusez-moi. Oh là là. Ils sont combien les landais en fait? Ce serait pas deux par hasard. Grenade plasma! À terre! À terre! Oh bah, ça t'a fait mal ça pourtant, hein. Ok. Putain, ils font mal aussi eux. Oh! Et quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Canigou, tu fais quelque chose? Et j'ai pas à gaspiller l'intégralité de mon armement? Un de plus. Deux. 3 4 et le chien. Hop là. Yo l'ami, t'es où? Là. C'est vrai que ça peut servir. Tu le dis. Et viens le chien. Viens le chien. Quoi ça? Ils en mettront plus personne. J'en ai chié pour le buter, je le reconnais. Yo. Ah bah ça l'a pété ton armure là, tu vois. Putain. Et donc sur la carte, c'est où qu'il faut que j'aille maintenant? Ah oui, c'est suivez le machin, mais démerdez-vous pour le trouver quoi. Je crois que c'était là-dedans, mais non. Là il y a tout un... Là, il y a aussi tout un bâtiment. Apparemment, il y a rien. Alors, on va remonter par là. On verra bien. Oh putain. J'ai vraiment pas de bol quand je veux, putain. Alors, il y a un phare là-bas. Regardez. Bon, la texture du phare de loin est moche, hein. Alors, t'es qui, toi? Ah, t'es pas un ennemi. C'est marrant, ça. Tu gardes. Alors, ne pas tomber, ne pas tomber. Ne pas tomber, ne pas tomber. Wow! Wow! Leg armor. Faut que je la prenne. J'ai pas les leg armor, la leg armor. Bon, qu'est-ce qu'elle a cette armure? Elle a rien en fait. D'accord, elle a strictement rien. Donc elle me sert à rien. Et en plus c'était pas l'endroit où il diffusait. Aïe, je me suis cassé 3 tibias. Et qu'est-ce que ça fait mal. Yo. Bon, j'imagine que vu que t'avais encore des munitions sur toi, je vais y arriver. C'est que je ne suis pas manuel d'opération secrète de l'USR. Et voilà. Oh, génial. Alors. Bla.
par là. Ouais. Ok. Encore une fois, ça ne m'aide pas quant au lieu où... d'où le signal de détresse est lancé. Hein. Peut-être là-bas. Hop là, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Assassin's Creed. Alors. Bah non, c'est là que j'étais tout à l'heure, non? Exact. Je vais prendre ça aussi, du coup, maintenant que j'ai vu que j'ai pris l'autre. Merde, Cody. Ah, mais il y a un bâtiment, là. Je suis con. Je peux aller voir le truc fermé. Ah, puis là, il y a des caravanes. J'ai pas vérifié, j'aurais dû, là. Là, je fais pas mon boulot, les mecs. Pactage. Alors. Non plus. On a dit tout à l'heure, c'était pas ici. C'est encore un débris de vertiptère. Je crois qu'ils ont buté, ils ont perdu deux vertiptères en 3 secondes, quoi. C'était censé être là, merde. What? Alors là, chers amis, je me sens obligé d'aller voir. Hop. Excusez-moi, mais là, un bug pareil, ça ne se loupe pas. Bonjour. Un novice de la confrérie. Bah écoute, je vais prendre tes trucs, parce que t'as rien à faire là. Je vais essayer de bousiller ton cadavre aussi, alors j'espère que tu m'en voudras pas. Est-ce que je peux... Ah merde, je peux pas. Je peux pas te déplacer non plus. Je connais pas la commande pour détruire un objet, donc malheureusement... Tu t'es fait eu. Hop, on va se remettre par là. Crac. Ouais, alors ça par contre c'est triste. Hein. Donc c'est vous qui le portez. Fais gaffe parce que j'ai donné des trucs à porter à toi aussi. Si tu continues à me faire chier comme ça. Carabine de combat explosive. Oh, sympa ça. C'était Randy, le pauvre. C'est marrant comme endroit, ça. Terminal d'Eugène. Salut, Eugène. Un premier jour à la marina, le monde est devenu fou avec, avec Malcolm. On a peut-être une chance de réussir notre coup, l'état des bateaux est encore. D'accord. Oh, ça s'est mal fini cette histoire. Oh, le sac! Il a modifié les robots pour qu'ils attaquent, son pote. C'est vraiment pute, hein. Mais ça a marché. Par contre, ouais, c'est con, c'est que... Oui, du coup, il manque un bateau. Il y a un mec qui est parti avec un bateau. Moi, c'est le bonhomme que j'aimerais voir. Ah. Oh. Merde. Monsieur? Bonjour, monsieur. Bien le bonjour. Hop. Note de la salle de pause, numéro 2, numéro 1. Lire.
Alors, Malcolm, tu ne pourras pas faire un peu moins de bruit quand tu bois ton café? J'entends depuis l'autre bout du hangar, franchement c'est à se demander si tu ne le fais pas exprès, Eugène. D'accord? Eugène, tout ce qui compte sur ce, tout ce qui est sur ce comptoir est à moi, touche à quoi que ce soit et t'es mort. Malcolm. Oh. J'ai pris. Excellent. Comment c'était cela? D'accord. J'aurais bien aimé genre une raison pour qu'il s'attaque à moi en fait d'un seul coup. Ça aurait été carrément cool. Oh. Je vais le faire quand même. On va voir s'il s'attaque à moi. Allez, vous osez ? Ça y est. Bande de larves. Hop. Trouvez quelque chose, j'arrive. Terminal de Malcolm. Alors, Fled, Form, Jobs. Alors. Alors, je vais pas avoir de bol, je le sens. Rude. Toll. Ouais. Voilà, Toll. C'est vrai que j'aurais le faire avec un peu plus d'intellect. Enfin bon. Pour réparer un de ces bateaux pour foutre le camp, mon coin cette fois me rend dingue. Des fois, il faut qu'on se serre les couilles. Pour qu'il arrive, j'ai besoin d'un café. Mettre le cap au nord, il s'amuse à laisser des petites notes dans tous les coins maintenant, ok, moi aussi je peux jouer à ça. C'est notre anniversaire demain, Eugène veut enterrer la hache de guerre mais moi je lui planterai bien dans le dos, je connais un ou deux petits trucs sur les protocoles de sécurité des robots. D'accord. Vous êtes réservé exactement le même cadeau quoi. Attends, il n'y a qu'un seul cadavre jusque là. Je vérifie quand même partout, des fois que. Hein. J'avais pas vu ça. Alors. Oh. Vous vous battez par PC interposé, je comprends. Attends, je vais voir le deuxième cadavre. Voyons en paille, ouais, pourquoi pas. La fameuse cafetière et le café. Pourquoi pas. Champignon luminescent, pourquoi pas. Le bateau, pourquoi pas. Mais je ne trouve pas. Mais qu'est-ce que tu regardes, Canigou, franchement? Hé hey. Tu mates la fille? Qu'est-ce que tu fais? T'as que ça à foutre, Canigou? Donc on a quand même, malgré tout, qu'un seul et unique cadavre. Hein. Bon. Attendez. attendez. Non, il n'y a qu'un seul cadavre. Quoique, j'ai rien dit. Apparemment, c'est pas encore complètement sûr. Oh, la belle encre. Génial. Canigou, si tu m'as fait tomber. Canigou, je vais te tuer. Cachette de capsule, canne à pêche. Non merci, je vais pas me battre à la canne à pêche. Lumière là-bas. Hello. Ouais. Hé,
Et y a pas un fangeux dans le coin? Ou deux, hein. Oh, il pleuvrait bien. Oh, c'est pire que ça. Tête vampire volant. C'est pire qu'un fangeux. Ça devrait plus beaucoup lui servir. Non, effectivement, un briquet, ça sert pas grand-chose à une mouche. Hein. Sauf si c'est une mouche fumeuse, bien sûr, mais enfin bon. Alors. Bon. On va aller voir le bâtiment éclairé. Restez pas un bâtiment à côté. Si. Oula, 15 rades. Ah oui, d'accord, il y a une réserve. Fusible. Oui, oui, je m'écarte. D'ailleurs, pour faire bien les choses, je vais quand même... Ouais, je vais quand même prendre un Radaway. Je suis quand même bien malade, là. Et je vais regarder le nombre de... Oh, 50 Steam Pack, ça va. Je suis large. Là-bas, il y a un truc bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, d'accord. Oh putain. Je captais pas, hein. Ciel de détresse perdu. Suivez les signaux de détresse. Donc je suis en dehors de la carte. Génial. Wow. Bienvenue dans vos derniers instants. Il est solide. Tiens, la patte. Ah, il y a un système qui permet de savoir la puissance du... Ah oui, ils sont solides et ils font mal. Hop les... Oh la vache! J'aime pas tuer les bestioles! C'est une manière de faire bouillonner mon liquide de refroidissement. Putain! J'aime pas faire ça! Oh non de Dieu, Canigou! Qu'est-ce que t'es con quand tu veux? Par là? Trente-deux, trente-six, quarante, donc c'est en hauteur. Faut que j'y retourne. Apparemment oui. Est-ce que j'aurais dû faire depuis le début? Donc c'est pas dans celle-là. On va trouver, hein. J'y mettrai le temps qu'il faut, mais on va trouver. Oh merde. «
Ah, je suis pas allé là. Le seul endroit où je suis pas allé, putain. Cartouche. Le band du script Faris. J'ai pris ton armure au passage. Oh bah merde, j'ai pris le corps avec. Hop. Ah non, il est là, je suis con. Je le voyais plus. Marrant ça. Alors j'ai pris son armure, mais est-ce qu'elle est cool son armure au passage? Non, elle est pas cool. Alors, oh le band du script Faris, qu'est-ce qui t'est arrivé mon pote? Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as été... Hop. Violé par des super mutants? T'as aimé ça? Ici Faris. Ça fait 2 heures que le paladin est parti. Ma jambe. Je n'arrive pas à arrêter l'hémorragie. Bah oui, tu m'étonnes. La balle a dû toucher l'artère. Brandis, si vous me recevez, j'espère... Vous avez réussi à rejoindre Astin. Attends, vous n'aurez rien pu faire pour moi. Rejoignez le bunker au nord. Vous survivrez. C'est tout. Tout ce qui compte. J'emporte ça avec... Oh. J'emporte ça avec moi, t'en as plus besoin. Tiens, regarde. Hop. Bon, il y a un bunker dans le coin. Bah oui, il y a un bunker dans le coin, bah oui, bah oui. Il est, ça fait, parce que t'as cru en fait qu'il allait partir à 30 km au nord et revenir en 2 heures. Il court vite, hein. Mais même moi, j'ai pas envie d'aller aussi haut. Ah. Non, pas dans le gouffre. Voilà, on va aller là. Et on va aller le chercher. Oh la vache, il y a Grognak et Silver Shroud en même temps. Classe. Carrément classe. Il y a du mouvement là-bas où je rêve. Il y a quelque chose dans les parages. C'est, ce qui est chiant, c'est que c'est limite en plein nord, quoi. Ça va. Hop, les. Quelqu'un approche. Ah oui, je reconnais l'endroit. Ouais, non, ça ne m'intéresse pas. Le mec, il met des balles à incendiaire de là, quoi. Alors. Je suis encore en combat, semble-t-il, hein. Sûrement à cause de mes 2 trous du cul qui suivent pas. Qui se sont dit, oh chouette, une nouvelle occasion de mourir. Oh putain. Je crois que Nick, je vais le virer bientôt. De toute façon, il va y avoir un moment où il y aura un mode pour construire son propre synthétique. À son image. Un clone de vous-même. C'est vrai que si je devais mettre un bunker dans le coin... Enfin, si je devais mettre un bunker quelque part, je le mettrais... Dans le coin. Oh, nom de Dieu! Nom de Dieu! Un behemoth. C'est pas un behemoth, c'est la reine des fongeux. C'est une reine des fongeux. Oh nom de Dieu, l'acide qui est en bas dans la gueule, il fait mal. Hop. Alors. Permettez madame, que je raconte hier. Merci. 250?
C'est une quête. Putain, elle a des gamins. C'est littéralement une quête à elle toute seule. Wrap around Google. Je vais les prendre. Pour le plaisir. Elle était une quête à elle seule. Elle était une quête à elle seule. Bon, sauvegarde, parce que là, ça c'était assez sympa. J'ai littéralement bourré, hein, mais... Oh, je sens que le terrain va être miné. Les miliciens. Yo les mecs. La forme. Ce site appartient aux miliciens. Et je suis ton général. Non mais oh. Peu de respect. Putain. Et j'en ai parlé il y a 2 minutes. Hein. À peine. Bunker de reconnaissance d'état. Il faudrait quand même qu'il y ait quelqu'un qui me parle de l'autre côté. Apparemment, j'ai le mot de passe. Commande de la porte de sécurité. Ouvrez la porte. Ok, bon, bah, j'avais promis de l'histoire principale. On se calme. Moi aussi, j'en ai un gros. Paladin Brandis ? Pas un geste. Encore un pas, et je vous fais sauter la cervelle. Qui êtes-vous? Qui vous envoie? Comment vous avez réussi à entrer? Du lard. Reculez, vieil homme. Je... Non. Qu'est-ce que vous faites ici? Lâchez votre arme et on pourra parler. Non. Non, non, non. Je ne peux pas vous faire confiance. Je ne peux pas vous faire confiance. What? Mais je te veux du bien. Je suis de la confrérie. Je fais partie de la confrérie. La confrérie? Non, 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 c'est pas possible. Ils sont trop loin. Ils n'ont pas pu vous envoyer. Si? Admettons que je vous crois. Comment vous m'avez retrouvé? Lâchez votre arme et on pourra parler. Non. Putain, non, il veut non, pas. Non. Hein. Le mec, je le menace. Bon, bah, du lard. Reculez, vieil homme. Non. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suivais la valise de détresse. J'ai suivi la valise de détresse de votre unité. C'est grâce à leur holobande que je suis ici. Les autres? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Donnez les holoplaques. Ils sont morts, paladin. J'ai récupéré leurs plaques. C'est vrai? Merci. C'est vraiment très important à mes yeux. J'ai essayé de retourner les chercher, vous savez. Oui, ça se voit. Je ne pouvais rien faire, pas seul. Mais j'espérais. Ça n'a pas dû être facile de me retrouver. Okay, belle armure. Je devrais vous donner quelque chose. J'ai récupéré beaucoup de choses au fil des ans. De la technologie. Parce que t'es resté là depuis des années, en fait. Si vous voyez quelque chose qui vous plaît, servez-vous. Oh. Bah, retourne à la confrérie. Harry a besoin de vous, paladin. Il est temps de rentrer au bercail. Je ne peux pas. Ça fait trop longtemps. Je ne servirai plus à rien. Retourne à la confrérie. Personne ne connaît le Commonwealth aussi bien que vous. On a besoin de votre aide. J'ai passé trop de temps ici. Je ne suis plus moi-même. Est-ce qu'ils voudront... Oh putain. Mais putain. Bon, la récompense. C'est tout. Je vis seul et j'évite tout le monde. Les gens... les jours. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous voulez? Je pourrais vous laisser dormir ici, j'imagine. Oui, ça irait. Ou manger. Je n'ai pas grand-chose, mais si vous avez faim... À part ça, je n'ai que mon arme et... Oh non, non, j'en ai toujours besoin. Je ne peux pas vous la donner. Retournez à la confrérie. À la mémoire de vos coéquipiers. Vous ne pensez pas que c'est à vous de raconter leur histoire? Si je ne rentre pas, leur sacrifice, tout ce qu'on a enduré, tout sombrera dans l'oubli. Je ne peux pas le permettre. Très bien, je vais rentrer.
pour eux. Très bien. Je vais chercher mes affaires. Merci. Merci. Promets de rien, écoute, c'est mon... Tout le plaisir est pour moi, comme dirait l'autre. Bon, alors ça tombe bien, parce que t'avais un téléphone. Une courge, surtout c'est la courge qui m'intéressait, à vrai dire, je vais prendre la courge. Et surtout, un réacteur à fusion. Du scotch. Des cartouches à chier. Oh. Oh. Alors, qu'est-ce que tu racontes ? Dernier rapport de l'unité de reconnaissance 429 Alpha de la confrérie de l'acier. J'ai besoin d'un peu de temps pour assurer. Nous avons échoué. Nous avons échoué, merde. 6 heures après notre insertion, nous sommes tombés dans une embuscade. Nous avons perdu 5 chevaliers et épuisé les réserves de nos armures assistées. Nous avons détruit nos armures afin d'éviter que l'ennemi ne les récupère. Puis, nous nous sommes repliés sous un feu nourri. Allons, ne restez pas là. En abandonnant nos provisions. Moins d'une semaine plus tard, je me suis retrouvé séparé des 2 membres restants de mon unité. Tous 2 sont portés disparus. J'ignore ce qui leur est arrivé. J'espérais les retrouver au bunker de repli qui nous avait été assigné afin que nous puissions trouver un moyen de nous enfuir du Commonwealth. Mais ils ne sont pas venus. Personne n'est venu. Vous avez pas entendu des gros booms à moitié ? En fond. Faites profiter de chaque tir. Hop les bouf ! Ça va faire mal. J'ai pas peur de toi, saloperie de mutant! C'était couché! Je surveille le secteur. Putain! Puis j'aime bien. Vous avez pas entendu un gros boom en sortant? Ouais, voilà. Ah non! Il va me falloir. Non, c'est. C'était rien. Juste un behemoth. C'est marrant, j'en ai parlé en début d'épisode pourtant. Enfin, en début d'épisode, tout à l'heure. Oh la gueule. Et il avait un caddie sur le dos. Mais qu'il est con. Bon, bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueur de la Playroom, dans votre lien dans la bannière de la chaîne. Encore une fois, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie aussi GamesPlanet.com qui m'a gracieusement offert le jeu, ainsi que Mad Max. Et Star Wars Battlefront, encore une fois, un grand merci à eux. Très prochainement, Agatha Christie's JBC Murders sur la chaîne, donc à partir du 4 février. Encore une fois, merci à eux pour tout ce qu'ils m'offrent. Merci à vous de votre sympathie et de votre aide. Et bien sûr, de vos commentaires toujours aussi agréables. Encore une fois, évitez le spoil dans les commentaires. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. Encore une fois, merci à vous. Et à demain pour un nouvel épisode de Fallout. Et yop.